Oui, c'est Salvadorien, c'est des poupoussas. Des poupoussas! C'est des poupoussas. Il y a plusieurs. Je regarde-tu les cams ou je te regarde toi? Fais ce que tu veux, mon chat. Je fais ce que je veux. Balai, balai, cam, moi, moi, cam. Ok, parfait. Alors, les poupoussas. Hi. Les poupoussas, c'est. Please don't be creepy. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode web, cette fois-ci, de Maman en chef. Évidemment, comme vous voyez ici, je suis pas avec une maman. Maman très bizarre. On est avec mon boy Jacob Ospian Echeverria. C'est un de mes amis humoristes, un de mes collègues humoristes. On voudrait parler de ton background, mais comme tu dis dans tes numéros... Ouais, c'est ça, je le dis déjà un peu, j'en parle déjà, mais ouais, je suis un Québécois, je suis né ici. Sauf que... Faut que mon père il est Libanais, Arménien, Colombien, né au Liban. Puis ma mère, elle est Salvadorienne, Espagnole, née au El Salvador. Oh my God. Fait que... Ton père est Libanais, Arménien... Colombien, ouais. Sa mère, elle est Libanaise, Colombienne, née à Medellín, en Colombie. OK. Et son père, Arménien, génocide, il est allé au Liban. Ma grand-mère, container de Colombie au Liban, sont connus là-bas. Puis ils ont fait, je pense, 6 ou 7 enfants. Puis après ça, du côté de ta mère? Ma mère, c'est son... son père, c'est un vrai Espagnol, 6 pieds 4, blanc comme de la neige, il a les yeux verts. Puis sa mère, 4 pieds 9, Pocahontas. Puis ça, t'as hérité de Pocahontas. Moi, j'ai... La nourriture qu'on va faire, ça va être... c'est salvadorien? Oui, c'est salvadorien, c'est des poupoussas. Des poupoussas! C'est des poupoussas. Il y a plusieurs choix, t'as quand même une belle variété de condiments que tu peux mettre à l'intérieur. Mais nous, on va juste mettre fromage, puis on a ce qu'on appelle un curtido. Moi, j'ai appris à cuisiner avec ma mère, mais c'était comme... j'ai pas comme appris, c'était de la dictature. C'était comme t'étais un peu obligé. De la dictature. Considère comment, à qui tu t'identifies? C'est sûr que genre mes mœurs puis mes habitudes sont québécoises, mais je me sens en général plus latino que tous les autres, toutes les autres origines. Puis quand je dis latino, je sens plus le El Salvador. L'Espagne, je m'identifie pas du tout. La Colombie, j'ai jamais fait de la poudre. Oh my God! Couper ça. On parle de farine. Ouais, 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 ouais. On parle de la maseca viejo. Colombien. Ah! Il est bon le café. Ma mère, elle est salvadorienne, tu sais, fait que c'est sûr que je m'identifie plus en tant que salvadorien. Comme les pères immigrants, c'est sont présents, mais sont pas présents. Tandis qu'une mère, elle est... Je sais pas si... Je comprends, c'est très présent une mère. Moi, mon père était très présent aussi. Okay. Mais je comprends ce que tu veux dire. Là, le père va souvent être appelé pour de la discipline. Exact. Tu comprends? Ça reste que c'est maman qui m'a donné l'éducation, c'est maman qui m'a donné le fait d'être propre, le fait de cuisiner, le fait d'être fidèle. C'est la farine avec quoi? C'est, fait que ça, c'est... Maseca! C'est une farine spéciale, puis c'est de la farine de maïs instantanée, sans gluten, 100% grains de maïs, puis c'est non-FDA approved. C'est correct, c'est pas grave. Et... comme je t'ai dit, j'ai appris ça aujourd'hui à faire les poupoussas. Puis... Toi, ça, c'était booké depuis une semaine et demie. Ouais. Puis tu as appris aujourd'hui à faire des poupoussas. Ouais, parce que, comme bro, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai fait « Ah, I know how to do it ». Ta question en premier? Yes! Frijoles. Exact. Parfait. Fait que tu pèses un peu sur le milieu, juste pour étendre la farine. C'est correct qu'il va y avoir des ouvertures, comme il n'y a pas de mauvaise poupoussas, même s'il est craquelé. C'est juste, le plus important, c'est qu'il faut qu'il soit bien, tu sais, ouais, en mangeant. C'est un poupoussas body positive. Donc, on a le produit final, qui sont les poupoussas, avec le curtido. Check ça comment... Le fromage, check les frioles. Ah, fromage avec les échalotes. C'est tellement bon. La farine de tortilla. Ça ressemble à les tortillas. Mais je pense que tu peux faire les tortillas avec ça. Tortillas, tamales, pupusas, antoles, empanadas, gorditas, sopes. Ça, c'est tous les membres des gangs de rue du Salvador. je vais jamais retourner au Salvador. Non. Si TV5 met ça dans telenovelas de Telemundo, c'est fini pour moi. Ah, c'est tellement bon. Tu vas voir les recettes de ces épisodes-ci.
qu'on a sur le web. Vous pouvez toujours aller sur le tv5uni.ca. Allez voir les épisodes télé aussi, plus grand format, sur la chaîne TV5. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bon appétit! Mais les autres, ils mangent pas, c'est juste pas qu'on mange. Bon visionnement, puis nous, bon appétit!